Bienvenue chez Patito RC. Surtout n'oubliez pas la cloche de notification, de vous abonner et surtout que Dieu vous bénisse. Allez, c'est parti. Voilà mes amis, eh bien, écoutez, j'ai mon beau-frère qui m'a filé ceci, un vieux câble de téléphone. Regardez, ici, que j'ai démonté. Et avec ça, je vais pouvoir faire, logiquement, en reliant ce câble avec le secondaire, en reliant ce câble, parce que j'ai pas l'habitude de parler et faire deux choses à la fois. Je crois qu'il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça. Alors, j'arrête. Je vais pouvoir relier ce câble à cette batterie. Et cette batterie, vous allez me dire, c'est une 3S, c'est tout plus simple. Enfin, vous ne savez pas de quoi je vais en faire. C'est pour faire de l'éclairage. Mais elle a un problème, elle tourne qu'en 2 et en 1. Elle descend à 1S. Elle a un problème, mais le 1S reste en continu. Alors, juste pour l'éclairage, je crois que ça va être chouette. Alors, on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. Alors voilà, Yakabao, j'ai fini mes soudures. Hop là. J'ai démonté cette prise comme mon beau-frère m'avait donné. Un chargeur cassé. J'ai fait un système avec une batterie 2S. 3 en vrai, mais il déconne, c'est-à-dire qu'elle passe des fois un et il en reste un 1S. Pour pouvoir alimenter tous mes LED plus deux variateurs, deux ventilateurs que je vais mettre après ici pour refroidir un peu plus la voiture et je vous montre ce que ça va donner. Alors je vais poser le portable. Bon, faut que quelqu'un m'aide. Attendez, les gars, travail fini. Vous voyez de partout. Alors c'est pas très joli, c'est vrai, mais ça va être très efficace. Vous allez voir. Vous voyez, surtout la nuit, ça va être super efficace. Regardez contre le mur ce que ça donne. Regardez les pièces, comment ça s'éclaire. Là, vous le voyez mieux. Et sur mon bras, vous le voyez mieux aussi. On dirait une petite discothèque roulante, mais c'est pratique. Et même qu'il y ait de la lumière, ça reste très visible. Bon, les gars. Je vous laisse, à la prochaine.